Je pense que ça enregistre. Hé, les amis, regardez ça. C'est mon tour. Mais maman l'a acheté pour moi. Et alors? Donne-le-moi. Tu me prends toujours tout. Parce que je le vaux bien. Ma tête. Ma lampe. C'est à cause de toi. Moi? C'est de ta faute. Tu gâches toujours tout. Ne me jette pas des choses dessus. Prends ça. Ne t'avise pas de faire ça. Tu es folle! Ne touche pas mes cheveux! Lâche-moi! Quoi? C'était mon t-shirt préféré! Ok, j'ai compris, pas de problème, je vous envoie le contrat tout de suite. Quelle Maman journée! Regarde ce que Casey a fait à ma lampe! Et mon t-shirt! Je peux plus filmer de TikTok! Tu te rends compte qu'elle a fait? Et mon contrat! Je ne peux pas envoyer ça! Maman! C'est fini! Robbie, combien de fois je dois te le dire? Ne viens pas dans mon bureau quand je travaille! Mais, maman! Qu'est-ce que c'est? Une lampe? Je me fiche de tes problèmes! Robbie, je gagne de l'argent pour cette famille! Sors d'ici, je ne veux rien entendre de tout ça! Tu as gâché mon travail! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est tellement injuste! Tu vois, personne ne sait ceci de toi! Même maman! Arrête! C'est la pire des sœurs! Pourquoi doit-elle être si méchante? Peut-être que je devrais juste disparaître. Je ferai une faveur à tout le monde. Cher journal, personne ne se soucie de moi. Pas même ma sœur. Même pas ma mère. Oh, je t'aime aussi. Bisous. Je te vois chez moi dans 15 minutes. Ok, bébé. Ok, on se voit plus tard. Moi, tu me rends malade. Au revoir. Je dois être parfaite. Je ferai mieux de me préparer. Vite. Ouais, je sais. J'ai besoin de mon maquillage. Où est-ce qu'il est? Hein? Ah, ça ne va pas le faire. Oh, il doit être quelque part. Oh, je suis sûre que tu l'as. Tu as toujours mes affaires. Non. Où est mon rouge à lèvres préféré? Hé, qu'est-ce que tu fais? Ok. Je te pardonne pour cette fois. Oh, c'est ton journal intime? Rends-le-moi! Ça doit être vraiment important! Tu as un coup de cœur? S'il te plaît, ne fais pas ça! Oh, c'est qui? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est mon petit ami! Tu es sérieuse? Tu crois qu'il tomberait amoureux de toi? C'est hilarant! Je suis tellement spéciale! Peut-être que je suis mieux que toi! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Je suis la sœur la plus âgée ici et je suis celle qui a un petit ami, pas toi! Assieds-toi ici dans la chambre et réfléchis à ton comportement! Hé! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je t'enferme! Non! Ne fais pas ça! Ouvre la porte! Tu peux pas m'enfermer! Impossible! Laisse-moi sortir! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre mes affaires et partir! Regarde-moi! Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne te laisserai jamais sortir! C'est trop tard! C'est pas drôle! Je te déteste! Ouvre la porte! C'est toute ta faute! Tu le mérites! Tu es la pire des sœurs! Je souhaite que nous ne soyons jamais sœurs! J'ai fini! Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Hein? Attends, je n'entends rien! Tu m'as laissée toute seule! Oh! La porte est ouverte! Elle est tellement bête! Casey, qu'est-ce que tu fais ici? Oh! Il faut que je sorte d'ici! Peut-être que si je grimpe par-dessus... Ça va pas le faire! Voici mon chemin vers la sortie! J'ai réussi! Je suis beaucoup plus intelligente que Casey! Ruby, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bazar? C'était tout Casey! Elle m'a enfermée dans la chambre et a mis toutes ces choses! Je me fiche de qui a fait ça, que ce soit Casey ou toi! Arrange tout ça! Vite, maintenant! Ou tu auras de gros problèmes! Mais c'est la faute de Casey! Maman! Je vais quitter cette maison! Vous allez tous le regretter! Je vais vous manquer quand je serai partie! Oh, je suis tellement contente que tu sois là! Tu m'as vraiment manqué! Tu m'as manqué aussi! Tom! Oh. Hey. Il est vraiment beau! Oups!
Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est ma petite sœur. Sœur? Je ne t'avais jamais vue auparavant. Mais je me souviens de toi. Nous allons toujours à la bibliothèque ensemble à 6h. Et nous avons toujours... t'es toujours en train de lire. Ça ne l'intéresse pas. Oh oui, je vais à la bibliothèque. Mais je ne me souviens pas de toi. J'ai besoin de faire quelque chose. Oh, chérie. Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Regarde-la, c'est une vraie antélo. Oh. Oh non, pourquoi est-ce qu'elle fait c'est ça? C'est vraiment gênant. Et regarde ce que j'ai. Quoi? Mon journal intime, où est-ce que t'as eu ça? Elle a eu un coup de cœur pour toi. Non, c'est personnel, rends-le-moi. Viens le chercher. Arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. Elle est folle. Allons-y. Oh, je dois te montrer quelque chose. Regarde ça. Personne ne m'aime. Tom ne sait même pas que j'existe. Je suis tellement gênée. Je dois disparaître d'ici. Je veux plus vivre ici. J'ai besoin d'argent. Oh, je dois casser ma tirelire. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais enfin quitter cette maison. Et personne ne se moquera plus jamais de moi. Oh non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends une minute. Je vais prendre les sous de Casey. Elle prend toujours mon argent et ne me le rend pas. Rien ici. Pourquoi a-t-elle besoin d'un livre? Elle ne lit même pas. Jetons un coup d'œil là-dedans. Oh, oui, je l'ai trouvé. Oui. Oh, je peux enfin partir d'ici. Oh, c'était quoi ça? Oups. Elle le mérite. Je vais prendre mes affaires et je vais partir. Oh non, Casey. Regarde, qui est encore là? Oh, tu vas faire une promenade avec tes amis? Oh, oups, que je suis bête. Tu n'as pas d'amis. Quoi? Ce n'est pas vrai. Arrête d'être méchant. C'est vrai. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait avec mes affaires? Quoi? Où est mon argent? Oh, voleur. Non. Rends-le-moi tout de suite. Lâche mon sac. Donne-moi ça. C'est mon argent. Mais tu me le devais. Tu vas le déchirer. Oh, mon argent. Oh, j'allais l'utiliser pour de nouvelles chaussures. Sors d'ici. Super. J'allais partir de toute façon. Oh, vraiment? Oui. C'est parfait. Je vais t'aider. Je vais préparer tes affaires. Voilà, c'est tout. Oh, j'espère que je ne te reverrai jamais. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller maintenant? Ruby, est-ce que c'est toi? Hé, Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis enfuie de la maison. Pourquoi? Personne ne m'aime, ils me détestent tous. Ce n'est pas vrai, c'est ta famille. Ne pleure pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Allez, ça va aller. Tout va bien se passer, je te le promets. Oui, tu as raison, je me sens mieux. Je te l'avais dit, allons-y. Non, je vais pas rentrer à la maison. Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas rester ici. Il va bientôt faire nuit. C'est assez effrayant par ici. Et puis il y a le... Je sais! Le grenier! Personne n'y est monté depuis des années! Je vais y aller! Stop, stop! Je vais t'aider, ok? Je suis une grande fille, je peux m'en occuper toute seule! Je ne peux pas te laisser seule. Je vais t'aider, allons-y! Vraiment? Merci! Allez, on y va! Je ne vois personne. Ok, hein? Vite! Ok, ne fais pas de bruit! On doit monter ici! Chut! Dépêche-toi, allez, avant qu'on nous trouve. Ah, on a réussi. Waouh, dans ma chambre, c'est encore pire. Ah, une araignée. Tu vas bien? C'est rempli de poussière. Oh, je peux utiliser ça. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée géante. Waouh, il y a beaucoup de toile. Je t'ai eu. C'est assez amusant. J'imagine que personne ne nettoie ici. Ah, je pense que c'est tout. C'est beaucoup mieux. Enlève-les. Je suis vraiment désolé, je ne t'avais pas vu. Laisse-moi prendre ça. C'est bon. C'est à toi? Oui, ce sont mes jouets d'enfance. Ah, c'est mignon. Une bouteille? Super, des lumières de fée. Attends, on peut utiliser ça? Tiens ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh. Je vais les accrocher depuis le toit.
Wow, super. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Non, donne-moi ça. Je suis désolé, je ne voulais pas t'offenser. Ce n'est pas mal. J'avais un appareil dentaire quand j'étais petit. Regarde, je vais te montrer. Tu vois? J'étais tellement maladroit. C'était plutôt mignon. Il commence à faire un peu froid. Oui, on devrait prendre des couvertures et des oreillers. Bonne idée. Allons-y. Je vais t'aider. Chut. Ne fais pas de bruit. Oh, j'adore ce film. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. J'ai besoin d'un coca. Il est tellement loin. Ruby! Où est-elle? Ruby! Elle a intérêt à ne pas m'ignorer. Ruby! Attends que je l'attrape. Attends. Est-ce qu'elle est partie? Oh, pas possible. Je suis sûre qu'elle se cache juste quelque part. C'était chaud. Chut, les couvertures sont là-dessous. Oh, c'est ta chambre. Et concentre-toi, prends ça. Oh non, je peux entendre Casey. Oh, cachons-nous. Vite, par ici. Ruby, tu es là? Ruby, où es-tu? Ah ah, je sais. C'est sa cachette habituelle. Elle doit être dans l'armoire. Il est si mignon. J'aimerais pouvoir être avec lui. Ne joue pas avec moi, Ruby. Sors, sors, où que tu sois. Qu'est-ce qu'on va faire? Cache-toi. Je sais que tu es là. Je te trouve toujours. Je t'ai trouvé. Allons chercher des snacks. Cours. Qui a éteint les lumières? Je te tiens maintenant. Qu'est-ce que... Où est-elle? Tu ne peux pas te cacher de moi. Qu'est-ce que c'est? Ruby, tu es là. Tu te crois tellement intelligente. Je vais te montrer. Ouais. Je pense que je sais ce qu'il faut faire. Et je vais avoir besoin de ça aussi. Jouons, petite sœur. Ça va me plaire de faire ça. J'espère que tu as faim, Ruby. Ça va être drôle. Hey. Voici pour toi. Maman, tu es rentrée tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Casey, qu'est-ce qui se passe? Es-tu folle? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas croire que t'aies fait quelque chose comme ça! Pourquoi tu as fait ça? Elles sont trop occupées à se disputer! C'est pas vite! Possible, je te fais confiance, gros problèmes. Retournons dans le grenier! L'ordinateur portable de Casey! Maintenant, c'est à mon tour de regarder un film, ma sœur! On a réussi! Ouf! J'ai cru qu'on allait se faire prendre! Organisons tout ça! Je vais mettre la couverture ici! Waouh! Ça a l'air douillé! Regardons le film! Ouais! Batterie faible? Je voulais vraiment regarder ce film. Faisons autre chose alors. Mais quoi? Attends. Il doit y avoir quelque chose à faire ici. Je sais! J'ai appris à faire un projecteur à l'école. Nous aurons besoin d'une boîte. Il y a juste des jouets pour enfants. Alors je vais faire un trou. Et la loupe. Elle va dans le trou. Ok, donne-moi ton téléphone. Fais-moi confiance. Est-ce que ça va marcher? Wow! Tu es tellement intelligente. C'est génial. Oh non! Mon estomac! Tu veux de la pizza? Oui, comment tu le sais? Je vais la commander. Bonjour. Bonjour. On peut commander une pizza? Quelle sorte? Laquelle? Prends une au pepperoni. Pepperoni. Pas de problème. Super, au revoir. Elle arrive dans 10 minutes. Continuons à regarder. Très drôle. Je crois que c'est l'adresse. Bonjour, j'ai votre pizza. Où es-tu? Reviens un peu en arrière. Un peu plus. Tourne à gauche. Oh non, ta gauche. Plus à gauche. Ok. À droite. Comme ça? Continue vers la droite. Un peu plus. Stop! Juste là. Quoi? C'est bizarre. Voilà. Alors ça va faire 25... Hé! Hé!
Où est mon argent? Ah, je suis trop impatient. Moi aussi. Cette pizza est plus vieille que moi. Peut-être que c'est mieux de ne pas la manger. Je vais pas prendre le risque. Mais nous avons toujours besoin de nourriture. Maman va me tuer. Je dois la trouver au plus vite. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Réfléchis, Casey, réfléchis. Je peux appeler ses amis. Arrête. Je ne connais pas ses amis. En fait, je ne sais vraiment rien d'elle. C'est mauvais, super grave. Calme-toi, Casey. Tu dois comprendre où irait Ruby. Pense comme Ruby. Si j'étais une intello, où irais-je? À la bibliothèque. Bien sûr, je dois appeler là-bas. Ah, j'espère qu'elle y est. J'aurais dû y penser plus tôt. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je cherche ma petite sœur. Qui? Ma petite sœur. Qui? La Chandler? Chandler? Ma petite sœur. Désolé. Nous n'avons pas ce livre. Quoi? Pouvez-vous m'aider? Chérie, il est 5 heures. Je dois rentrer à la maison. Au revoir. Quoi? C'est pour ça que je ne vais pas à la bibliothèque. C'est quoi ça? Sa pizzeria préférée. Elle doit avoir faim. C'est là que je peux la trouver. Bonjour. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Nous avons une promotion en ce moment. Super! Je prendrais bien une pizza. Deux pepperoni, s'il vous plaît. Avec un supplément de fromage. Oh, mais je dois trouver Ruby! Pourquoi est-ce que tu me causes toujours des problèmes? T'es tellement agaçante! Mon pied! Casey, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? J'ai besoin de faire quelque chose. Je sais. Je vais cacher ces nounours sous les couvertures. Le contrat sera prêt demain. Oui, merci. Casey, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce bruit? Maman, c'est bon! Ruby s'est endormie! Fais de beaux rêves, sœurette! Quoi? Dormir? Hein? À cette heure-ci? Et ses devoirs? Ruby? Mais maman, elle est si fatiguée! Elle a vraiment besoin de son sommeil réparateur! Je veux dire, tu l'as vu? Encore cette réunion! Oui, juste une seconde! Casey, occupe-toi d'elle, je dois y aller! Oui, bien sûr. C'était chaud. Tu as toujours faim? Oui. Hé, tu sens ça? Les filles, le dîner est presque prêt. Dîner. Je vais essayer de le prendre. Je vais y aller. Je peux prendre la responsabilité si elle nous trouve. Oh, mon héros, il est incroyable. Tout est en ordre, une seconde. Les filles, venez manger. Oui. Oh, ça y est, maman va découvrir que Ruby n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais appeler Tom. Je l'ai presque. Oh, des spaghettis. Oh, mon téléphone. Ah, c'est Casey. Quoi? Je suis sûre d'avoir entendu un téléphone. C'est tellement étrange. Casey, qu'est-ce que tu fais là en bas? Rien. Où est Ruby? Où est l'assiette? Bien. Peut-être qu'elle est... je pense qu'elle est... Elle mange dans sa chambre. Encore. Oh, ces adolescents. Oui, c'est ça. Où est passée l'assiette? Et pourquoi Tom ne me répond pas? Je dois faire attention. Je dois être belle pour Tom. C'est un peu comme notre premier rendez-vous. Oh, il arrive. C'est l'heure de manger. Merci. Tu sais, je dois te dire quelque chose. Mais je ne sais pas par où commencer. Moi aussi. Le truc, c'est que, tu vois... Dis-le simplement. Ok, tu dois voir ça. C'est tellement gênant. Est-ce que c'est mieux? Je peux pas croire que c'est arrivé. C'est Casey. Ne réponds pas. Je te réponds. Salut, Casey! Tom, je t'ai appelé! Pourquoi tu n'as pas décroché? Désolée, j'étais occupée. Oh, je ne sais pas quoi faire. Ma petite sœur a...
ont disparu. Vraiment? Chut, ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Qui est avec toi? Il n'y a personne ici. Tu vois? Je suis seule. Désolée, je suis vraiment confuse. Ma chérie, j'ai besoin de partir. Désolée pour ça. Je t'appelle plus tard, ok? Oh, merci Tom. J'avais pensé à quelque chose à dire à maman. Je t'aime. Mouah, au revoir. Merci, merci de pas m'avoir abandonnée. Tu m'as sauvée. Désolée. Santé. J'ai un plan. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre ça ici. Maintenant, pour l'allumer, ça devrait fonctionner. Oui, ok. Je t'appellerai plus tard. Oui. Est-ce que Ruby est là? C'est Ruby. Elle chante? Je ne savais pas. Casey, qu'est-ce que c'est? C'était... Ruby chante faux. Chante faux? Vraiment? Ok, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Il suffit de l'envoyer à des leçons de chant. Ok. J'ai tellement de chance. Je ne peux pas croire que ça a marché. J'adore les spaghettis de maman. Ta mère est si chouette. Je pourrais en manger toute la journée. C'est si bon. C'est vrai. Tout comme... Oh non! Mon t-shirt! Je suis vraiment désolée! C'est pas grave. Attends, laisse-moi chercher quelque chose. Ne t'inquiète pas, c'est bon, vraiment. Il doit y avoir quelque chose. Porte ça. C'était mon t-shirt d'enfance préféré. Waouh! C'est tellement mignon. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de se déshabiller juste là. Oh mon Dieu! Ça a intérêt à marcher. Je les ai mis dans toute la ville. Où es-tu, Ruby? Hé, hey, toi! Tu as vu ma petite sœur? Tu peux m'aider? J'ai tout essayé. C'est mon dernier espoir. La sonnette? Qui c'est? Ruby? Nous avons trouvé la fille. Entre là-dedans. Ça y est. Mais ce n'est pas elle. Pas elle. Elle est juste comme sur la photo. Prends-la. Maman! Merci, mais ce n'est pas elle. Prends la fille. Et ne reviens pas. C'est ma sœur. Ok, merci. Casey, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était qui? Pourquoi tout ce bruit? C'était un ami. Je vais juste me promener avec eux. Dis-moi, je reviendrai plus tard. Tout de suite. Ou je te confisque ton téléphone pour une semaine. Wow, c'est sérieux. Alors, maman, le truc, c'est que... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ruby? Ma petite sœur est perdue? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-il arrivé à Ruby? Où est ma petite fille? Dis-moi. C'est une blague, n'est-ce pas? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Maman, je suis tellement désolée. C'est entièrement de ma faute. Ruby a disparu à cause de Ruby moi. Ruby a disparu. Je suis tellement désolée. Dis-moi que je rêve. Casey, attends. Est-ce que tu l'as appelé? Tu as appelé son portable? Elle ne me répond pas. Oh non. Oh, où irait-elle? Je vais l'appeler. Maman. Elle va répondre. Je suis vraiment je désolée. Suis sa mère. Je le pense vraiment. C'est mieux. J'ai fini. Regarde. Waouh. Ça a l'air tellement chouette sur toi. J'adore les licornes. Oh, attends, tu dois voir ça. J'ai un journal intime avec des licornes dessus. Attends, je veux m'excuser pour cette photo. Ça ne voulait rien dire, c'était juste une photo. Oh non, 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 non. C'est bon, vraiment. Je sais que ce que Casey a fait était mal. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire quelque chose comme ça. Merci de passer du temps avec moi. Ça signifie beaucoup. C'est moi qui ai besoin de te dire merci. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Oui, on s'est beaucoup amusés ensemble. Peut-être que nous pourrions le faire plus souvent. J'aimerais bien. Moi aussi. Mon téléphone. C'est maman. Attends, attends, attends. Ne raccroche pas. Ne fais pas ça. Ruby, pourquoi as-tu fait ça? C'est juste ma mère. Exactement. Elle s'inquiète pour toi. Je sais qu'elle le fait. Personne dans cette maison ne s'inquiète pour moi. Tu as tort. Ta famille t'aime. Tu dois leur parler. Ça ne fera aucune différence. Ça va le faire. Fais-moi confiance. Vas-y, parle-leur. Tout ira bien. Ça ne va pas m'aider. Je serai avec toi. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Ok, je vais le faire pour toi. On y va?
Allons-y. Ruby, s'il te plaît, réponds. Je vais rappeler. Je suis désolée, maman. C'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, décroche le téléphone. Où es-tu? Ok, c'est parti. Maman, je suis là. Ruby, tu es à la maison. Où étais-tu? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu vas bien? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous étiez ensemble? Je voulais juste aider Ruby. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une très longue histoire. C'est le t-shirt de Ruby? Tu ferais mieux de tout m'expliquer. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Où étiez-vous tous les deux? As-tu faim? Tu veux tes crêpes préférées? Je vais les faire tout de suite. Oui, oui. Attends. Ok. C'est mon patron. J'ai compris. Tu sais quoi? Pas aujourd'hui. Il peut attendre. Alors, des crêpes? Allons-y. Je vais les préparer maman. Pour toi. Je suppose que les gens tiennent à moi. Mais je veux que Tom tienne à moi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je peux toujours être avec toi, seulement si tu veux, Tom. Il ne s'en fiche pas. J'espère que nous serons ensemble.